Bon, Elden Ring. Qu'est-ce que c'est que Elden Ring? Franchement, faut se poser la question de c'est quoi Elden Ring? Tout le monde sait c'est quoi Elden Ring quand même. Je veux dire, c'est l'un des BP de From Software. From Software qui nous ont sorti les Dark Souls, les Souls, j'allais dire les Soulsborne, non, mais c'est les Demon Souls, donc Bloodborne et Sekiro. Ces jeux demandant une exigence parfaite. C'est vrai que j'avais pas repris le jeu depuis un. J'ai un bug graphique, j'aime pas ça. Laissez-moi quelques petites secondes. Sur le Be Right Back. Qu'est-ce que. Putain, j'ai appuyé sur une merde. Tac. Problème avec le jeu. Un problème graphique. Revenir sur le bureau. Tac. Non, c'est le panneau de config Nvidia qu'il me faut. Clic droit. Fichier plus options. Panneau de configuration. Gérer les paramètres 3D, paramètres de programme. Elden Ring n'est pas dans la liste, normal. Ajouter. Elden Ring, ajouter le programme. En synchronisation verticale activée. Voilà. Non, peut-être que les gens n'ont pas vu sur le stream, mais j'avais de la déchirure. Viens mon fouille. Luna. Viens mon loun. Viens mon foufouille. Non. Tu fais ta vie, mes mères. Hein? Ouais. Viens dire bonjour, fichichon. Hein? Non, ouais, ça c'est ma fifille. Hein? Hein? Tu quiches? Non, oui. On les caresse, les caresse, les caresse, les gratouilles, hein? T'adores ça? Hein? Bon, oui. Appelez.
Ok, j'ai plus de déchirure. J'ai juste un petit alt-R. Charge moyenne. Même plus comment je m'étais démerdé à l'époque. Oh la frayeur. Attends, je passe le chevalier. Voilà, il va faire cette petite ronde. Je sais, mon pauvre. J'ai plus l'habitude. J'ai plus les commandes en tête. J'ai mes runes à cet endroit.
On se calme. Tout. Allez, doucement. Oh, purée! Quel con! Hein, salut, Star Sky. Désolé, hein, j'ai pas vu ton message plus tôt. Comment vas-tu? Oh, je viens. Merci beaucoup. Coucou. Je sais pas du tout si le son il est bon donc. Oh bah là je suis au début du jeu hein. J'ai même pas battu le véritable premier boss. Godric. Donc là je vais de quoi. Ouais, 25. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas mon premier Souls. Hein, j'ai commencé sur le 3.
Non, ça c'est l'araignée relou. On va se calmer l'araignée. Ouais, tout à fait, je suis sur PC. Sur PC, je joue avec une manette de Xbox One. Je le sens pas. Ok. On se tire! Aïe! Courez! Ah, j'ai déverrouillé l'ascenseur.
Ah, ça rend mieux quand même avec du RTJ. Oh, c'était patché? Il est pris cher. Non, 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 non! Non, 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 tu vas me la haine? Il veut pas me la lock.
Allez, jouer avec le feu. En plus, ça fait un bail que j'ai pas repris le jeu en main. Eh, hey, merci du follow. Merci beaucoup Star Sky pour le follow. Ouh la vache. Ah. Oucha.
Ce serait un peu du suicide d'y aller là. Le temps que je comprenne le pattern. Ah, je vois où on est en plus. Va falloir que je pète l'araignée. Ouch. Ah, il m'a fait mal là. Oh, le coup de bouclier dans la tronche. Rest in peace. Je suis un peu trop lourd là, faut plus d'agilité. Il est vrai que je pourrais utiliser ça, l'épée fusionnée. Alors prendre un peu plus de distance. Ce sont des trucs. Hein. Ok, j'ai fait de la merde. Halbarde, je peux pas jouer avec, hein.
Moi, une hache. Bof. Testons une épée. Merci du follow, Mazgim. Attends, deux petites secondes. Attends, je suis un peu perdu là, parce que j'en connais plusieurs des Kilian. Je suis un peu sur le cul là. Je suis totalement sur le cul là. T'es Kilian L, c'est ça? Enfin, je donne pas ton nom de famille, mais... Oh la vache! Ah ouais, je suis sur le cul. J'avais pas reconnu ton pseudo. Comment tu vas? Ça va bien, ça va très bien. Ça fait plaisir. Je m'attendais pas à ça. Aïe.
ça m'a perturbé. Si, je suis tombé sur le cul. Je vais pas te mentir que là, je m'attendais pas à ça. Je vais même plus jouer. Oh l'horreur. Ah non, t'es pas une célébrité, mais bon, quand même, on a pas mal joué ensemble. Hein. Ça faisait un moment qu'on s'était pas parlé, donc je suis tombé des nues. Bon, elle a fini l'araignée là. Allez, arrête. Qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, si tu peux en parler. Merde. Oh. J'ai plus mon écran de retour. Merde. C'est quel bouton? Ah oh bah, j'ai carrément éteint l'écran. Super. On se calme. L'araignée. Tac, tac, tac. Voilà. Et bon, j'ai récupéré mon écran. Je vois, du coup, c'est vraiment la merde. Plus de bagnole, plus de PC fixe. Et un collab bizarre. Tu les enchaînes là. Purée. J'arrive à le buter, mais je trouve pas de solution.
Typiquement. Il n'y a pas une connerie, une arbalète? Si j'en ai une d'arbalète. Je suis boîte. Je suis incapable de l'utiliser. Oh non! Pareil pour le bâton d'éclat. Ça non plus, je peux pas l'utiliser. Bon, voyons voir ce que j'ai en stock. Tac 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 tac. Non, ça je vais pas y toucher ça. J'ai de la graisse incendiaire. Bonjour, monsieur Futami. Bonjour Gildast. Alors, ça va? Très bien, et toi? Bon, il faut, bah, pour David, il viendra peut-être pas tout de suite, hein. Ah oui, non, mais aucun problème, je t'ai juste mis dans le général, comme ça, au calme. Chez lui, quand il vient, c'est pas avant la... Généralement, c'est pas la... C'est dans l'après-midi. Ouais, je sais. Voilà, bon. Il vient comme ça, on va dire ça comme ça. Ah bah il vient quand il a envie quoi. Et il a raison. Voilà. Bah de toute façon généralement à ce sorcier il est toujours occupé donc. En général. Puis là c'est pour ça qu'assez rare qu'il y ait du monde à ce sorcier. La preuve que tout arrive. Hein, hein. La preuve que tout arrive. Hein. Attends, parce que j'ai le son du jeu qui est tellement fort que je t'entends même pas. Ah, ah oui, bah ça va. Tac. C'est vrai que des fois, les jeux, ça... Ça va être à moitié souvent avec ça, des fois. Ouais. Bon, ça dépend du jeu, c'est sûr. Oh bah là, avec Elden Ring... Bah, je sais pas, j'ai jamais joué, donc on va pas te dire. Tac tac tac, audio. C'est ici. Bah, de toute façon, même dans le Discord, on peut changer le son aussi. Hein. Ouais, j'ai fait ça. Bah, tu peux, même au niveau de l'utilisateur, quand tu fais un clic droit dessus, tu peux augmenter ou baisser le volume. Ouais, c'est ce que enfin, je t'ai fait, je t'ai mis à 110. 110, hein. De toute façon, 110, c'est pas grand chose. Personne. De toute façon, 110, ouais, enfin, c'est vrai que le Elden Ring. Enfin. Ah, du coup, tes parents t'ont prêté une voiture, Kylian. C'est ce que je vois. Heureusement, heureusement. Sinon, c'est un peu la merde. Ah, tu fais un live? Ouais, ah. je suis en stream aussi. Ah. C'est bien ce qui me semble. On n'était pas sûr. Après, Kylian, tu sais, quand c'est comme ça, tu peux m'envoyer un MP. Hein. Sur Discord, t'as mon Discord, il n'y a pas de problème. Je fais un petit peu le son. Allez, on va rajouter un petit. Thank un you! Petit...
Merci Gildast du follow. Bah, tant qu'à faire, autant le faire, hein, non? Bah, c'est comme tu veux. En tout cas, ça fait plaisir, merci. C'est vrai que des fois, c'est pas. Enfin, c'est vrai que monter là-dessus, c'est pas évident non plus. Bah, j'avais une autre chaîne avant, mais. Elle a fait au revoir? De quoi? Elle a fait au revoir? J'ai perdu les accès, les logins, donc. Bon, ça peut Enfin, arriver. perdu les logins, j'ai surtout perdu. Comment ça s'appelle? Le truc pour s'authentifier, et j'avais la flemme de contacter le support Twitch. De double authentification, hein. Ouais. Les beaux petits insectes. Ah bah c'est une belle araignée humaine. Bah, bon, il tape un petit peu, hein, aussi. Ouais. Vrai que combattre dans les sous-sols, en plus, c'est pas toujours évident non plus. Non, c'est pas toujours évident. Ce n'est aucun cas un cheat, c'est un RTJ. C'est pour les graphismes. Non, sérieusement, ça se voit à mort quand je fais les changements. Ah, c'est un peu plus clair. Là, c'est le jeu de base. J'ai Et ça, vu. c'est. Avec des magnifiques ombres. Ah, il manquerait plus qu'à rajouter le ray tracing dessus, puis c'est bon. Ah, mais c'est ça! C'est du ray tracing. Je sais plus si le jeu de base il y a dedans. Je sais plus. Ouais, ils ont rajouté le ray tracing dessus, mais il est franchement nul. Enfin, ils l'ont vraiment mis juste pour faire. Voilà, on a le ray tracing, quoi. Pour dire, il y a comme le DLSS 3, c'est pareil. Pour certaines cartes, bien sûr, malheureusement. Ceux qui n'ont pas les 4000, c'est un peu compliqué. Bon, j'ai une 3080 et ça fonctionne très bien déjà avec le 2, donc bon. Oh, ça suffit, ça. Moi, je l'ai, mais il y a très peu de jeux qui l'utilisent, donc. Bah ouais, c'est pas fou. Puis le DLSS c'est cantonné au Nvidia quoi, et ça marche pas sur les anciennes. C'est un peu bâtard. À un moment, ils voulaient faire un portage du DLSS 3 sur les anciennes versions, mais ça ne s'est pas fait. Tout ça à cause de l'argent. Voilà. Parce qu'ils pourraient très très bien le faire. Mais tout ça, c'est des histoires de pognon. Alors après on a AMD qui font ça avec le FSR, ça marche sur quasiment toutes les cartes. Je sais. Comme leur histoire de G5 et Free5, c'est pareil. Oh bah, oui. Bon, ça change pas grand-chose, mais bon. En vrai, si, c'est un changement le G-Sync et le FreeSync. Pour la synchro, hein, c'est juste pour la synchro. Tu prends les. Bon, c'est sûr, il faut un écran qui soit adapté aussi. Bah, en 1080p, sérieusement, ça sert à rien d'avoir du G-Sync ou du FreeSync. Par Bon, c'est contre, sûr, si c'est on passe sur du 2K, rien. ouais. C'est sûr que tout dépend aussi du processeur que tu as derrière, hein, que ce soit au niveau graphique ou que ce soit au niveau processeur central. C'est sûr que si tu as un PC de course, sûr que t'as pas trop de problèmes pour ça. Bah, en vrai, si, parce que le vrai problème, c'est pas la puissance des PC actuellement, c'est l'optimisation des jeux. Bon, si, ouais.
Moi je vois le survival en ce moment, c'est un gros, c'est une grosse catastrophe le jeu. Il est intéressant, mais le problème c'est qu'il est. Moi je dis, à un moment je jouais, c'était pas, je jouais en 720p, j'avais pas le choix. Sinon le jeu il crachait systématiquement. Me disant, bah vous avez plus de mémoire vidéo, oui, au revoir. J'ai monté en 720p, je montais quand même à 14 gigas de mémoire vidéo. Combien? 14. 14. En 720p. Oh, c'est devant la vache. Voilà, ça fait beaucoup quand même, surtout pour du 720p. Ben ouais, je pourrais même pas le faire moi avec ma carte. Bah, c'est vrai que la 3080, la 10 ou 12, ça dépend des versions. Qu'il avait fait au début, la version d'origine, c'était 10. Yep. Et après, ils ont sorti une 12. Mais après seulement. Ah bah là, pour un jeu qui demande autant de VRAM, faut aller chez AMD. Bah attends, attends, où est-ce que t'es toi l'image? L'image, je l'ai mis où? T'es où? D'ailleurs, c'est vrai que j'aurais pu prendre une carte graphique AMD. Bah l'équivalent c'est voilà, 6800 XT. Mais L'équivalent à la enfin, j'ai 3080. un ami qui m'en a qui me l'a vendu la carte, la 3080, pour 700 balles. Bon, c'est le prix qu'elle aurait dû être au départ. Non? Bah ouais, lui il l'avait acheté pour miner à la base. Et bon, il a revendu ses cartes. Parce que ça c'était plus comment on appelle ça? Rentable. C'était plus rentable de miner. Attends. Alors attends, où est-ce que t'es? T'es là. Je vais t'envoyer une petite image, tu verras quand tu auras le temps. Voilà. Alors ça c'est le rendu voilà, que j'ai eu en 720p avec la quantité de mémoire et les indications qu'il y a besoin. Ça tu feras ça tout à l'heure. Et en gros, voilà, où est-ce que t'es là? T'es là. Voilà. Et ça, voilà, ça c'est la config que j'ai. Ça te fera plaisir. Mais ça, tu verras quand tu auras Ah le purée, temps. les chiens. Ça s'est récupéré. Voilà, ma config actuelle, elle est disponible dans ma bio de Twitch. Mais il faut que je rachète de la RAM. C'est vrai qu'il y avait le X3D qui est sorti. Hein. Ouais, il y a le X3D aussi, mais il coûtait trop cher. Oh putain. Oh la vache, que vraiment que du 720p quoi. Oh, comment ça consomme? La bouffe, ma.
Ah bah ouais, ça te fout à mort. Bah c'est le seul jeu qui me fait ça, hein. Attends, hein, grosse config de compétition là. T'as dû la payer une blinde la 4080? Bah à l'époque elle valait 1400 quand je l'ai eu. Oh la vache, le SMIC. À la base, je devais avoir une 3080 Ti, non, à la base. Mais pour le même prix, t'as pris la 4. Non, c'est pas la question Non? du prix, c'est qu'après ils m'ont remplacé par une 3090. Et puis après, bah tiens, il y a celle-là, la 400 euros de plus, bah on va rajouter celle-là. Allez. Bon, au moins t'es tranquille pour un bon bout de temps avec ça. Et beaucoup moins aussi. Bah, la console, je crois que c'est 320, ouais, c'est 340 watts en consommation. Ça va? Par rapport, hein? Ça va pour une telle carte? Ouais, c'est le maximum. Donc, par rapport à la 3080, elle consomme presque la moitié de mon. Parce que la 3080, je crois que c'est 400 watts, je crois, un truc comme ça. 400 ou 420 watts, je sais plus, un truc comme ça. Je sais pas si je peux te le dire. Je crois que c'est contrôle Alt P, moi. Ouais, c'est ça. Paramètres. Non, mais c'est pas marqué dans les réglages de Windows, c'est pas marqué dedans. Non, c'est pas là-dedans que je regarde, c'est dans le truc. Ouais, là je suis à 220 watts avec ma carte. Bon, la consommation actuelle, mais consommation max, c'est 400 et quelques. Enfin, le TDP max, il est, je sais plus, aux alentours de 400 et quelques watts. Après ça va parce que j'ai jamais eu de problème par rapport à la au watt. Façon. Bon, ça suffit, de toute façon, 750, ça suffit largement. Oh bah ouais, enfin j'ai à l'époque ma configuration c'était pas du tout ça, enfin c'était ça mais c'était pas le même GPU, c'était pas le même processeur. C'était un i7-7700K, une GTX 1080. Ah, moi c'est ce que j'avais encore, c'était mon Ah ancien PC. ben, là, je l'ai mis à jour récemment, hein. Il y a quoi, il y a 2 mois? Bah moi c'était en décembre. Moi j'ai ma 1080, le système de refroidissement il a rendu l'âme. Ah merde. Bah c'était une carte avec comment on appelle ça, I/O. Ah ouais, ok. Donc tout le système de ventilation, il a fait, enfin le ventilateur, il a fait au revoir. Donc, pour Et tu peux changer pas le un IO, changer? bah tu peux pas. Tu peux pas juste changer le moteur de l'IO? Ah bah va trouver un IO pour une carte graphique. C'est chinois, j'ai envie de te dire. C'est plutôt compliqué. À l'époque, j'avais la MSI, la COX. Oh, joli modèle. J'étais aussi chez MSI à l'époque. Bon, elle marche très bien. Hein. Oh, Puis là, c'est très bien. à la fin, bah, elle a fait au revoir. Là, quand j'ai changé de PC, j'ai changé de place. J'ai changé les pattes thermiques, les deux là. J'ai rebranché, j'ai tout rebranché correctement, puis le tout des ventilations ne marchait plus. Enfin, le ventilateur ne marchait plus. Mais la pompe, elle tourne encore. Non, même plus. Il n'y a plus rien qui marche. Pourtant, tout est branché. Tout est rebranché comme c'était, puis voilà, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ah merde. Donc, tu allumes le PC, maximum 10 minutes après, il est à 90 degrés. Hop! Ouais, là, par Avant, contre, c'est chaud. quand j'étais en jeu, le processeur graphique qui est monté aux alentours de 80 degrés, à peu près. Bon, ça marchait quand même, hein. Ouais, quand même, là, c'est... Puis là, là maintenant, là, faut changer la carte graphique.
Mais il marche encore, hein, mais le problème, c'est ça, c'est la carte graphique qu'il faut changer. On verra ça un peu plus tard pour l'instant. Une série 3000 à la place, mais quand? Oh, très bonne carte, les séries 3000. Puis en ce moment, on peut en trouver à quoi, à 300 balles? Bah, de toute façon, comme ça va pas être pour jouer, enfin directement, quoi. Donc, avoir une 3060 à la rigueur, ça devrait suffire. 3060, une 30. Bon, même une 3050 Ti fonctionne très très bien. Ouais, mais ça fait un peu léger pour certains trucs. Après, ouais, c'est léger, mais bon. Bah, j'ai un gars que je connais qui a une 3050 là, sur un PC portable. Il y a même le jeu Euro Truck, il n'arrive même pas à le lancer. Correctement, quoi. Oula, c'est bizarre ça par contre, qu'il puisse pas le lancer Et avec bah, une il peut le lancer, 3050. mais il est limité par la quantité mémoire. Parce que la C'est carte, une elle a 2 ou que une 4? 4. Ah ouais, c'est une 4 Go, bah normalement non, ça devrait aller. Il n'y a que 4, mais le problème c'est que pour Euro Truck, avec toutes les modifications graphiques qu'ils ont fait depuis Ah bah. quelques années, bah le jeu il demande plus. Après, il faut faire des concessions, hein. C'est. Voilà. En bas, sur un ancien PC, il a 1060 dessus, le jeu il tourne très bien. La 1060, elle a 6 Go. Juste avec ça, mais là, avec les mods aussi, tu rajoutes des mods, ça fait un peu long. Mais bon, ça fonctionne quand même. Ah bah tant que ça tourne. Bah, je vais arrêter mon stream là, moi. Je remercie beaucoup aux personnes qui se sont follow et de m'avoir suivi. Je vais restream sûrement demain. Peut-être ce soir, ça va dépendre. J'ai un petit projet qui arrive. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi et puis je vous dirai une prochaine fois. Bye.